terres africaines ont toujours été un paradis pour le monde animal. Au fil des millénaires, la nature a façonné un milieu favorable à l'évolution des animaux, des insectes, mais aussi des oiseaux. Des oiseaux pour la plupart fascinants à contempler. Tous les oiseaux ont besoin d'un minimum d'eau pour s'abreuver. Mais beaucoup profitent des espaces et des ressources qu'offrent les marais, ces milieux aquatiques indispensables à l'équilibre de l'espèce. Ces zones fréquentées par la spatule blanche, l'aigrette, les chassiers ou les pélicans, ces vertébrés qui savent s'attirer mutuellement. Se déplaçant avec une tranquille majesté, le cygne nous emmène à l'oie cendrée. Et à l'ibis sacré. Ces herbivores qui pâturent à terre, non loin de la surface de l'eau. Et sur ces terres, que seule l'Afrique sait nous offrir, c'est au cri de la pintade à crête, la plus méridionale de toutes les pintades, que toutes les portes de cet univers s'ouvrent sur un paradis ornithologique exceptionnel pour les observateurs. Leur plumage et leurs couleurs magnifiques en font un délice pour l'œil humain. À la croisée des océans, les huîtriers de Moquin évoluent dans leur milieu, les lignes côtières et les rochers, à la recherche des mollusques et des crustacés. Ce littoral océanique qui abrite en rejoignant les côtes froides des colonies de manchots. Ces oiseaux rois de la plongée qui ont la particularité de ne pas voler. La planète Terre nous réserve des paysages incroyables. Des lieux hallucinants qui sont autant de raisons qui nous poussent à ralentir le temps à la recherche de découvertes irréelles. Dans cette jungle, croiser des oiseaux venus de nulle part, un patchwork de plumes multicolores, n'est pas dans l'imaginaire. Un moment d'évasion unique où les sons et les images s'harmonisent entre eux.
d'autres oiseaux ne savent pas voler, mais ne peuvent seulement que marcher ou courir. Et c'est même le plus grand, l'autruche, sans doute le plus rapide des oiseaux terrestres, et avec ses yeux plus gros que le cerveau, nous ferait presque peur. Le tisserin, lui, sait bien voler. Et pour édifier ses célèbres nids suspendus, comme il doit en faire des vols à la recherche de brindilles. La grande diversité des paysages et reliefs du continent africain, liée à une faune unique. Une richesse qui permet la présence d'une pluralité d'oiseaux exceptionnels aux particularités variées. Ces oiseaux qui nous saluent le matin par leur chant et qui semblent ne jamais nous dire bonsoir. Mais qu'on ne se lassera jamais de regarder.